Bonjour, aujourd'hui je vous propose un roman historique et biographique, Georges et Carmen de Jean Rousselot. Georges, c'est Georges Bizet. Carmen, c'est son chef-d'œuvre, opéra parmi les plus connus, les plus chantés, les plus joués au monde. Il se trouve que mort en 1875, à l'âge de 36 ans, Georges Bizet ne connaîtra pas le succès extraordinaire de son chef-d'œuvre, puisqu'il est mort pendant les premières représentations qui furent un échec total à l'opéra comique. Ce roman permet de retracer sa courte vie depuis l'enfance à son décès. Il y a la dimension historique, toujours très intéressante, qui nous plonge ici dans le Paris du 19e siècle. Mais on a une autre dimension ici, peut-être encore plus passionnante, qui est de nous faire entrer dans les arcanes d'un processus créatif qui aboutit à un chef-d'œuvre. Tout commence dans l'enfance, avec une maman qui a décidé de faire de son fils, Georges Bizet, elle-même était pianiste, d'en faire un virtuose. Sans virtuosité, sans excellence artistique, pas de chef-d'œuvre. Sauf que pour obtenir ce résultat, la maman va priver son fils de toute liberté, de son enfance. Cela va faire un homme qui, sa vie durant, s'auto-privera de sa liberté, s'ingéniant à correspondre sans cesse au regard des autres, à ce qu'ils veulent. Sa carrière musicale commence et on lui commande à l'opéra comique un nouvel opéra. Il se propose de composer un Carmen inspiré de la fameuse nouvelle de Prosper Mérimée qu'il connaît, et le personnage de Carmen le fascine puisqu'elle est l'incarnation de la liberté totale, le contraire de ce qu'il est. À l'opéra comique, on lui dit « il nous faut une œuvre divertissante, qui plaise à notre public, facile, aisée, légère. » En pleine période de patriarcat très prégnant, cette Carmen ne peut que choquer. Notre Georges Bizet commence à faire le nécessaire pour correspondre à ce qu'on lui demande quand entre en scène, si je puis dire, une femme, une mezzo-soprano. Célestine Galli-Marié, qui fait tout pour obtenir le rôle de Carmen, sa création. Elle l'obtient. Il se trouve que dans la vie, cette femme se comporte totalement en femme libre. Elle est comédienne, chanteuse, plutôt sexy d'après les descriptions. Et elle vit pleinement sa vie en toute liberté. Elle va devenir la maîtresse de Georges Bizet. Ils vont avoir une relation amoureuse. Mais elle sera aussi sa muse et elle va la pousser cet artiste dans ses retranchements créatifs. Elle va être celle qui va l'aider à se projeter totalement dans ce désir de liberté qu'il transforme dans son œuvre en art. Voilà, c'est à peu près le processus créatif interprété par Jean Rousselot. C'est vraiment très intéressant, ça nous est raconté aussi d'une façon assez légère. Il y a pas mal d'humour dans ce texte et entrer dans ces arcanes de la création est vraiment passionnant.